Eh bien, merci beaucoup tout d'abord pour cette opportunité que vous m'offrez de me prononcer sur ce sommet qui a été riche en couleurs. Riche en couleurs, je le dis parce que ça a attiré tous les bitosards de par le monde entier, notamment des confrères journalistes qui se sont mis plein la poche, même si leurs confrères togolais n'ont pas pu trouver grand-chose, ce qui a suscité d'ailleurs les inspirations de certains confrères qui ont estimé que ça a été un sommet d'humiliation pour le journaliste togolais. La presse sommet a déjà commencé à partir de cette rentrée scolaire-là, où les enseignants ont annoncé 48 heures de grève pour réclamer les éternelles revendications, notamment des primes de salissure, et notamment l'abrogation du statut d'enseignant auxiliaire et autres des maux donc qui minent ce corps et qui l'empêchent de se développer. Et donc la presse sommaire a commencé à partir de là, où les élèves se sont rendus dans les établissements scolaires sans véritablement retrouver leurs enseignants. Et durant 48 heures, on a vu des établissements scolaires fermés, des élèves dans la rue, même si certains pensent que c'est un mouvement qui n'a pas été suivi, mais à mon humble avis, cet appel a été vraiment suivi. Malheureusement, moi je m'attendais à un appel du ministre de tutelle, le professeur Tshiakpélé, qui devait donc appeler ses collègues à se calmer et notamment aller prendre leur défense devant le gouvernement, mais il a fait le choix de les menacer et l'on se souvient encore de ces menaces ministérielles, si je les appelle ainsi, parce que dans un passé récent, il y a eu l'ex-premier ministre Atem Kossi Sélagadi Aoumé Zounou, qui au lieu d'aller calmer par exemple les ardeurs du personnel soignant en grève, a préféré proférer des menaces à leur endroit et tout le monde a vu les conséquences. Donc la presse sommaire a commencé par là et tout de suite. Vous avez vu également les chauffeurs qui ont été recrutés. Ils sont au total 327 chauffeurs recrutés depuis, je crois bien, le 19 août ou le 29 août, quelque chose comme ça, pour être formés et conduire les différentes délégations qui vont arriver au Togo. D'abord, on les a abusés, on les a menti que leur formation allait être payée. On les a amenés à payer ces formations de leur propre poche, comme quoi ils devaient être remboursés. Ils ont travaillé ou ont été mobilisés durant 2 mois environ. Vous savez, il y a certains qui ont dû quitter leur employeur, qui sont donc devenus aujourd'hui des chômeurs parce qu'ils ont trouvé du business. Et au finish, maintenant, ils ont été clochardisés entre griffes avec la distribution de fameuses 40 000 francs, ce qui a suscité le courroux de ces chauffeurs-là qui ont haussé le ton dans les locaux du garage central. Maintenant, de l'autre côté aussi, au lieu que l'autorité aille discuter humblement avec ces agents qui ne réclament que leurs droits, ce qui leur revient de droit, l'autorité a préféré solliciter les gendarmes pour venir donc les mater et ça a jasé là-bas aussi. Et donc tout ça, je classe ça dans le regard que je porte sur la presse sommée. La presse sommée également. C'est le fait de se rendre compte que les promesses de tous ces ministres qui ont fanfaronné sur les ondes pour dire qu'après que le sommet devrait permettre aux bonnes femmes et aux commerçants de faire des chiffres d'affaires, de gagner, et qu'au finish, on se rend compte que ça a été un festival d'endettement bien organisé et sous les tropiques, de l'impendaire assez géant. Et donc, vous comprenez que ce rendez-vous en matière d'après-sommet n'a laissé que des grincements de dents. Aujourd'hui, je prends également le cas des hôteliers. C'est aussi à classer dans l'après-sommet. Les hôteliers, on les a abusés. On les a amenés à contracter des prêts au niveau des banques pour relever le standing de leurs hôtels. Ils ont retapé des bâtiments, les chambres, ils ont changé les draps, ils ont changé les moquettes, ils ont acheté des écrans plats, ils ont doté leur structure, leur établissement de Wi-Fi à haut débit. On leur a dit qu'ils vont avoir au moins 250, voire 300 visiteurs, ce qu'ils n'ont jamais eu. Sur la soixantaine d'hôtels qui ont été réquisitionnés pour cette opération, la dizaine pourrait peut-être estimer avoir quelques visiteurs, ce qui a fait chuter leur chiffre d'affaires et non seulement a fait chuter les chiffres d'affaires, mais les a mis en situation où bientôt ils vont commencer des courses-poursuites puisque les banques ne vont pas rester les bras croisés. Ils ont entre-temps contracté des prêts. Souvenez-vous que dès l'annonce de ce sommet, lorsqu'une date avait été fixée,
On avait amené à l'époque aussi les hôteliers à contracter des dettes, sauf que par après, sur la base d'arguments fallacieux, on a reporté ce sommet-là qui finalement a été un accouchement par césarienne, puisque ça a eu lieu. Mais vous avez vu, les chefs d'État qui sont venus à Lomé, du moins la minorité, a aussi boudé en partie la fameuse charte qui a été vendue chère aux contribuables togolais. Donc en somme, je crois que l'après sommet, c'est juste un festival de grincement de dents qui a commencé et l'on ignore ce que ça va donner. Maintenant, vous me demandez les retombées de ce sommet pour le peuple togolais. Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée au chef de l'État, Faure Ressozimna Nyasimbe, et ses amis qui ont conjointement organisé ce que moi j'appelle un rendez-vous de sacrifice ou de tous les sacrifices, c'est-à-dire un rendez-vous où d'abord on a repoussé la rentrée scolaire, prouvant aux yeux du monde entier qu'on n'attache aucun prix à l'éducation dans notre pays, puisqu'on ne veut pas du tout d'intellectuels. Je n'en veux pour preuve que le fait de refuser par exemple d'équiper les universités pour permettre de bonnes conditions d'études aux étudiants, également le refus de payer par exemple les professeurs ou les enseignants pour qu'ils puissent enseigner les ventres remplis. Ils sont là affamés, dites-moi, un homme affamé peut enseigner quoi? C'est pour ça que vous voyez, d'abord, on nous fabrique des intellectuels tarés, des élèves qui sortent de leur cursus scolaire et qui n'ont même pas la langue de Molière sur leur langue, des élèves qui ont beaucoup, des étudiants qui sont en année de master, qui ont du mal à construire une bonne phrase, comme on le faisait à l'époque avec nos parents qui n'avaient que le CEPE. Donc comprenez qu'en matière de retombées, c'est une perte énorme. Vous avez vu la dernière fois le mouvement d'humeur qui a eu lieu dans les locaux de la Lonato, de moi l'idée de faire la publicité à cette société étatique. Mais les gens ont gagné tranquillement leur loterie et leur loto diamant, mais il n'y a pas eu d'argent pour payer ces gagnants-là. Il a fallu qu'ils crient. Et là aussi, au lieu d'aller négocier avec eux, on a dû solliciter la gendarmerie pour venir les mater. Alors comprenez qu'en matière de retombées, c'est surtout les pleurs, hein, les larmes que moi je lis sur les yeux des Togolais. Donc en matière de retombées, c'est les larmes au fait. Puisque quand vous prenez un ministre qui nous dit, le premier ministre qui nous dit par exemple qu'il va prendre l'argent ou les retombées de ce sommet pour construire les marchés, ça m'a fait rire. L'économie bleue pour construire les marchés, je vous dis, la mer ne donne même plus de poissons pêcheurs. Actuellement, ils sont en train de chercher quelle autre activité pratiquer au-delà de la pêche. Si vous allez au Nigeria, j'y étais récemment et j'ai vu ce que la pêche est devenue. Au lieu d'aller pêcher les poissons, les gens vont prendre la mer, le large, pour aller pêcher des bidons d'essence. Et ce qui renforce le commerce du carburant frélaté. Alors quand on me parle aujourd'hui d'économie bleue, moi je prends pour exemple les gros businessmen, la mafia bien organisée sur la mer. Ça, c'est ce même réseau-là qui a financé ce sommet. Alors, je prends ce sommet comme un festival de rire, de lui, de finesse, qui veut abuser des parents, les amener à rire un tout petit peu pour éviter ou pour un temps soit peu oublier leur souffrance. Mais écoutez, au Togo, on peut tout organiser, le miel peut couler, mais tant que le panier de la ménagère ne sera pas plein, je crois que rien ne fera plus plaisir au peuple que franchement que le gouvernement se taise tout simplement pour aller à terme d'un mandat social très cauchemardesque parce que les hôpitaux en souffrent, on n'a pas d'hôpital, parce que les gens qui nous dirigent ne se soignent pas au Togo. Et ça me fait rire quand par exemple j'entends un prélat qui vient par exemple féliciter le chef de l'État d'avoir organisé un sommet qui selon lui aurait réussi. Je me demande si Monseigneur Amouzou Denis Diakpa s'est une fois soigné dans un hôpital au Togo. Je me demande s'il se demande, les fidèles qui viennent cotiser les dimanches, dans quelle structure sanitaire et dans quelles conditions ces fidèles-là se soignent avant de venir cotiser à l'église. Je me demande si ce dernier se demande l'état des marchés dans lesquels ces fidèles là vont vendre leurs produits, si d'ailleurs ils vendent. Je me demande si ce prélat-là a une idée sur les souffrances de ces conducteurs de taxi-moto qui n'arrivent même plus d'ailleurs à marcher convenablement parce qu'entre-temps, leur démarche entamée par leur omniprésence sur les motos, sur des routes complètement nid de poule et tout. Donc, c'est-à-dire que qui aime le Togo ne peut que pousser un coup de gueule très avancé. Et quant à ce qui concerne les retombées de ce sommet-là,
pour le peuple togolais. Il n'y a pas de retombée parce que ça n'a pas changé la vie du Togolais. C'est notre misère qui s'est agrandie. L'on se demande même si à la fin de ce mois, le gouvernement va pouvoir payer les fonctionnaires du Togo. Parce que nous, selon nos informations, la caisse est vide. Il n'y a plus rien dans la caisse. Les sociétés d'État en souffrent aussi parce que c'est des sociétés qui ont été mises à contribution pour vraiment organiser ce sommet-là qui a rempli les poches des étrangers et qui affame le peuple togolais. Mais écoutez, les gens ont leurs préoccupations ailleurs. Prenez le Nigeria. Le Nigeria, c'est Boko Haram. Et Boko Haram, ce n'est pas sur la mer. Boko Haram, c'est au sol. Prenez les pays comme le Burkina, le Mali, le Sénégal et autres. On parle d'Acmi. Et quand on parle d'Acmi, ce n'est pas la mer. C'est au sol. Quand vous prenez le Togo, les gens sont venus braquer notre aéroport en plein midi, hein, sous les caméras de surveillance. On ne les a jamais trouvés. C'est pas sur la mer, on va aller les trouver. Hein? Les gens ont tué un ambassadeur dans notre pays. Les gens ont braqué à Fontana. Mais les gens ont braqué les pauvres vendeurs de bœufs à Adeti Kopé. Vous pensez que c'est sur la mer on va aller les trouver? Non, les gens ont leur intérêt ailleurs. Et notre intérêt à nous, ce n'est pas non plus sur la mer. Parce que d'abord, nous avons beaucoup de difficultés à sécuriser nos côtes. C'est-à-dire, quand vous prenez l'érosion côtière, on vous dira que l'érosion côtière n'était pas au rendez-vous de cette discussion-là. Et ça, c'est vraiment une déception à mon humble avis. Je ne vois pas pourquoi on peut parler d'un sommet sur la sécurité maritime sans mentionner, par exemple, l'érosion côtière qui est en train d'avaler et de faire disparaître des villages historiques de notre pays. Et c'est très scandaleux. Donc moi, je pense à mon humble avis aujourd'hui que bouder cette charte, c'est ce qu'il fallait faire par ces chefs d'État qui ont leur intérêt ailleurs. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État africains, ils pensent à leur prochaine élection. Comment nettoyer la Constitution? Comment sodomiser la Constitution? Comment se déverrouiller la Constitution pour pouvoir s'éterniser ad vitam au pouvoir? Et donc, quand vous prenez les gens qui réfléchissent comme ça, leur souci, ce n'est pas la mer. Parce que la mer, c'est une mafia organisée qui leur profite au fait. Je n'ai pas envie de citer des pays, mais c'est des pays qui se connaissent très très bien. La mer, c'est leur boulot. C'est là-bas qu'ils gagnent. Quand on dit que la côte ouest africaine est identifiée comme une côte sur laquelle le trafic de drogue marche très très bien, vous pensez qu'ils le font dans les taxis 5 places qui rallient Cotonou à Lomé ou encore à Accra? Non, c'est sur la mer. Et donc, ils se connaissent. Moi, je me dis, c'est peut-être pour amuser la galerie et protéger les acquis, hein, quant à leur gain personnel. Et merci à vous aussi. Merci également à tous les Togolais que j'encourage d'ailleurs, tous ces Togolais-là qui ont le courage de dire la vérité, parce que l'audace de dire la vérité dans un monde plein de mensonges, c'est ça au fait l'esprit du christianisme. Et c'est pour ça que je me rougis par rapport à cette déclaration de mon très cher prélat qui a besoin de relire sa Bible. Merci.